matin, Léguria, et vous qui passez par là, petit message, message du jour, le tirage du jour. On y va, les amis, avec l'oracle du bonheur de notre amie Fanny. Fanny Féricartomancy, que on ne présente plus non plus. L'oracle du bonheur. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Quels sont les messages qui vont passer pour cette journée, les amis, pour aujourd'hui, le jour où vous regarderez la vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Allez. Ah, éloignement et offrande. Donc ici, on est, je pense, oui, une évolution. Donc moi ici, je pense que on est un petit peu en dispute, ou on va être un petit peu en dispute, mais nous avons une réconciliation parce qu'on a une offrande. Donc je pense que ici, il manque quelque chose à quelqu'un. Donc si vous êtes en couple, ou si, si c'est une amitié par rapport à la famille, il y a quelqu'un qui s'éloigne. Mais je pense que c'est parce que cette personne manque de quelque chose et vous pouvez le lui donner. Donc il y a vraiment, ou alors ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être autre chose. L'offrande, ça peut être aussi dire à la personne ce qu'elle veut entendre, mais que ça vienne du cœur, de votre part aussi. Voilà, donc il y a quand même moyen d'avoir une réconciliation, si vous le voulez. Une réconciliation ou un rapprochement, parce qu'on s'éloigne, qu'on est en dispute ou en conflit, mais voilà. Waouh, la carte de la chance. La chance aujourd'hui, les amis. Neuf cartes. Le contrat. Donc là, clairement, on signe quelque chose, on avance, on évolue. Donc ici, on a un contrat de travail, peu importe. On va vers quelque chose de concret, de toute façon. L'évolution. Donc vous voyez, on est vraiment, ce contrat nous fait évoluer. On a la chenille, vous voyez, on a vraiment ici le cocon, la chenille, le papillon. Donc on est vraiment dans une belle évolution, parce que nous avons ici, il y a quelque chose qui se concrétise. L'offrande. Donc peut-être que justement pour vous, c'est un cadeau de la vie. Ce qui est en train d'arriver là, c'est un cadeau de la vie. Et ça vous fait plaisir quelque part. C'est votre mental, votre ego, mais ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui va... avec les cartes que j'ai, c'est vraiment votre mental va votre mental va vraiment être positif, parce que vous allez vers la réussite. Et les amis, on va vers la réussite là, hein, vraiment, on est dans des énergies super positives. Il y a un entretien, donc peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche, ou c'est vous qui allez entretenir, vous entretenir avec quelqu'un, parce que c'est vous qui allez décider, et non pas, ce n'est pas vous qui allez passer l'entretien, mais vous allez peut-être faire passer un entretien. La cigogne, donc effectivement, alors ça peut être aussi, on va chez le docteur, on a des résultats, et on est enceinte, par exemple, hein, d'accord? On est vraiment... on verra après. En tout cas, il y a, je confirme, quelque chose qui naît, quelque chose qui... avec la cigogne ici et ses petits œufs. Donc, voilà, il y a quelque chose qui couve. Et nous avons le consultant. Donc c'est vous monsieur, ou c'est votre monsieur, mais c'est aussi vous madame, c'est un tirage général. Donc voilà, on a aussi le consultant, donc tout ça confirme que c'est bien pour vous et votre famille. Donc si vous êtes avec vous marié, ou enfin s'il y a des enfants, etc., des parents, il y a vraiment une réussite ici. Vous allez pouvoir permettre à rendre la famille heureuse. Alors, on a des nouvelles ici.
on a des nouvelles qui peuvent parler effectivement d'amour. Et alors, j'ai quand même envie de voir, parce que j'ai là quand même la clairvoyance ici. Après, j'ai la carte de la saison. La carte de la saison. J'ai la clairvoyance, donc moi j'ai envie de dire que il est possible que ce soit un vœu qui se réalise, que ce soit ou que vous ayez eu des idées de faire ça et donc vous allez vers la réussite. Et vraiment, de toute façon, c'est ce qui se passe, vous allez vraiment vers la réussite. De toute façon, il y a un contrat. Donc ici, on signe quelque chose. On signe officiellement, officieusement, mais on sait qu'on évolue. On évolue, donc effectivement, on a la carte de l'évolution après, puis la carte de l'offrande. Donc on évolue et c'est un cadeau de la vie. Pour moi, vraiment ici, avec toutes les cartes qu'on a en plus, c'est vraiment un cadeau de la vie ici. Cette carte, comme elle est mise là, enfin moi c'est de ça comme il est mis là, la personne est écrasée par son ego, par son mental. Moi justement, je pense que vous étiez peut-être, vous vous sentiez peut-être un petit peu inférieur entre guillemets, et là vraiment vous allez évoluer parce qu'après l'ego, regardez, on est vraiment dans une situation un petit peu, voilà, où ça va pas trop, mais là maintenant tout va bien, on est dans la réussite les amis. Donc c'est quand même mieux. Donc ouais. Et puis alors on a ici l'entretien. Donc est-ce que c'est vous qui allez vous entretenir avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui allez faire passer une audition, un entretien? Donc là, mais de toute façon, cet entretien sera positif puisque ici on a la cigogne avec son nid, avec ses futurs petits. Donc on est vraiment dans une évolution de naissance, une évolution, la cigogne, voilà. On est quand même dans une belle évolution qui va évoluer, mais positivement, d'accord? On a nous, le consultant ou la consultante, hein, de toute façon, voilà, et la famille, les amis. Donc, pour moi ici, c'est une réussite familiale, mais ça peut être aussi une réussite qui va faire plaisir à la famille. Parce qu'on a un nouveau contrat de travail qui va nous permettre peut-être de voler un peu de nos propres ailes, où on va vraiment enfin entamer un travail qu'on aime bien, un travail qu'on apprécie, ça va nous rendre heureux, c'est un cadeau de la vie vraiment ce travail-là, on ne sera plus surchargé de choses qu'on n'aime pas, donc on réussit là maintenant, on a vraiment cette clé de la réussite ici. Et puis on rend la famille heureuse, on est heureux soi-même, on rend la famille heureuse. Mais moi ici, j'ai l'impression que c'est vous qui avez les cartes en main. Non, j'ai pas l'impression. C'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir évoluer positivement. Alors après, qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte des nouvelles en dos de deck, donc des bonnes nouvelles. J'ai quand même regardé la suivante, parce que je suis curieuse. Et certainement des bonnes nouvelles par rapport à l'amour. Et puis, comme je suis encore curieuse, j'ai regardé l'autre, comme elle me plaît, je l'ai sortie. Et nous avons ici la clairvoyance. Donc pour moi, il y a un vœu qui se réalise, il y a une situation dont on vous avait parlé, où vous étiez sûr qu'un jour cela allait arriver. Eh bien oui, c'est en train d'arriver. Voilà, c'est vraiment en train d'arriver, ça, c'est vraiment super positif. On évolue très très bien. C'est magique. Mais réellement, c'est magique. C'est super positif, les amis. Donc voilà. Alors, il pourrait aussi s'agir ici d'une rencontre amoureuse. On pourrait avoir des nouvelles. On pourrait avoir des nouvelles de quelqu'un. Maintenant aussi, on pourrait avoir, vous savez, les écrits aujourd'hui, c'est peut-être par des réseaux sociaux, par l'Internet, etc. Donc, il est possible ici qu'il y ait un nouvel amour ou un amour qui évolue parce qu'on s'est écrit d'une manière ou d'une autre. On s'était écrit. Ou parce qu'on a eu des nouvelles de quelqu'un. Vous avez eu des nouvelles d'une personne par l'intermédiaire de quelqu'un, parce que vous l'avez lu quelque part. Et vous allez du coup, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous revoir. Mais je ne sais pas, moi, cette situation, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était un vœu qui s'exauce, mais vraiment.
C'est comme si vous vous voyez, si vous vous étiez peut-être projeté dans un. Il y a un moment, vous vous étiez projeté, vous avez dit, moi, un jour, je serai chef de mon entreprise, je serai mon propre patron. Et là, jusque-là, ça n'est jamais arrivé. Et là, c'est en train d'arriver. Donc, pour moi, il y a vraiment un vœu qui se réalise ici. Ben voilà, les amis, c'est magnifique, hein? Il y a des collaborations, on sort vers l'amour ici, on a la collaboration. Mon Dieu, il y a des gens qui vont être étonnés. Ben voilà, on est vraiment, vraiment dans de magnifiques énergies. C'est parfait, et tant mieux, et voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas. Soyez positif.